Hello les passionnés et bienvenue sur le quiz de blindés. Prêt ? C'est parti ! Le char FCM-2C, char de propagande qui fut impressionnant durant l'entre-deux-guerres et en service durant la campagne de France en 1940. Mais combien ont été produits ? 6, 8, 10 ou 12 ? D'après vous, quel constructeur n'a pas construit de véhicules blindés armés ? Citroën, Peugeot, Renault, Volkswagen, Skoda, Fiat. Volkswagen a fabriqué des véhicules militaires comme le Type 82, mais pas de blindés armés. Ce T-34 transformé en défense anti-aérienne mobile est de quelle origine ? Chinois, nord-vietnamien, soviétique, nord-coréen ou indien ? Le Nord-Vietnam a investi massivement dans les armes anti-aériennes pour combattre les attaques aériennes américaines. Cependant, aucune documentation sur le véhicule n'est connue. Quel véhicule était censé remplacer le type 3 ONI 3 ? Pour pallier au manque de calibre pouvant percer efficacement les chars américains de la même époque. Le canon long Chi-A de type 97, type 5 Ori ou type 5 NATO. En 1945, une variante du Matilda a été apportée. D'après vous, laquelle ? Un canon d'artillerie de 90 mm ? Un moteur plus puissant pour augmenter la vitesse ? Un lot de 7 mortiers ? Un double canon lance-missile ? Officiellement connu sous le nom de Matilda Projector, Hedgehog, avec 5 chambres de mortier pour une boîte blindée positionnée à l'arrière de la coque. Les mortiers étaient déclenchés électriquement et individuellement. La précision n'était pas spectaculaire, mais adéquate pour la tâche. Les essais en mai 1945 ont été déclarés comme succès complet. Et les tirs ont été impressionnants contre les bunkers ennemis. Mais la guerre a pris fin avant d'être utilisée. D'après vous, quelle particularité avait le Fiat Ansaldo AB41 ? Il possède un générateur de fumée pour le camoufler et pouvoir s'extraire facilement d'une embuscade. Il a un conducteur à l'avant et un à l'arrière pour partir rapidement sans faire demi-tour.
le braquage des roues extrêmes lui permettent de rouler aussi en crabe. Il est équipé d'une vision de nuit. En effet, il accueillait deux chauffeurs, un à l'avant et l'autre à l'arrière, ce qui permettait d'évoluer dans un sens comme dans l'autre aisément, sans besoin de procéder à un demi-tour. Pratique pour une manœuvre rapide et sûre. Quel char super lourd n'a jamais été complètement construit? Le FCM F1? Le Panzer E100? Le T100? Le Panzer Amaos, le SMK. Quelle particularité avaient les chars rapides BT soviétiques? Le char avait une trappe au sol pour poser les mines tout en restant protégé. Il pouvait être équipé pour être amphibie. Il était utilisé pour faire des courses de chars. Il était possible qu'il roule sans chenille. Quel terme utilisaient les soviétiques pour désigner un prototype? Bidule? Machin? Objet? Projet? Ou plan? Que signifie la désignation du véhicule blindé français VAB? Véhicule anti-blindé? Véhicule avec blindage? Véhicule de l'avant blindé? Véhicule arrière berlier? Merci d'avoir participé à Blindé Quiz. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. À bientôt les amis.